give me all they feelings. Yeah. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Bright and early for the. Et yo tout le monde, c'est Fox Gamer, je vais prendre une vidéo sur Fortnite pour vous présenter les nouveautés. Alors je suis juste en game juste pour vous présenter une petite nouveauté qui est là, qui va bientôt disparaître parce que ça va exploser. C'est le portail. Le portail qui est exactement ici, sur ce bâtiment de là de la citadelle. On va y aller tout de suite. En attendant, celui-là. Non, c'est ici. Exactement ici. Donc hyper là-bas quoi. Du coup voilà, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Fortnite. Je vous le cache pas. Je lâche un peu parce que ça devient de plus en plus nul, mais parce qu'il n'y a pas de nouveauté, il n'y a rien. En attendant que la game se lance, je vais vous présenter le pass de combat qui a été leak. Apparemment c'est ça sera celui-là. Passe de combat qui a été leak, apparemment c'est celui-là. Voilà, je vous présente le passe de combat chapitre 4 saison 2. Apparemment ça, on va avoir tous ces skins là vu que c'est sur Steam japonais. Bon, apparemment ça a été leak tout ça, mais bon, je vous présente quand même. Du coup je vais directement vous montrer le portail. Il reste plus que quelques jours, mais à la fin de la semaine, cette semaine-là, il y aura la personne de ma vidéo Battle Blade qui sera qui reçoit pour recevoir le loup. Et du coup, je le contacterai personnellement. Et si je m'excuse encore parce que j'ai eu des problèmes, parce qu'en fait, il y a un problème, quelqu'un a pris. Quelqu'un a bien joué avec un paramètre, sauf qu'il a fait comme ça, c'est pas tout. Et du coup, pour l'instant, voilà, même si je pense que vous avez compris. Je m'en excuse encore, du coup, parce que je ne m'avais pas aperçu qu'il avait changé tout les paramètres du coup de base. C'est pour ça que la vidéo de la dernière fois avait totalement bugué. Du coup, voilà. Vous voyez comment il tremble, là il va, si je ne comprends pas, il va exploser ici, il va exploser tout là, tout là, tout là. Il y a un bouton, ça va rien. Oh. Il y a une surcharge de trucs. Mais voilà, du coup c'est ça la nouveauté, là dans les... 4 jours qui viennent là, ça va totalement changer. Donc ça sert à rien que je me pour quoi, parce que je pense que la game, je ne peux pas la faire, parce qu'en même temps je vous présente tout ce qu'il y a de nouveau et qui est arrivé. Et voilà. Donc en fait, pour l'instant, il y a eu une petite théorie qui a eu sur le portail. D'une personne que si vous allez voir, mais c'est pas une vidéo qui vous dira. Je parle de ça un peu. Ça monte de plus en plus. Mais bon, voilà. Après, je vous montrerai la boue. Qui est toute nouvelle avec beaucoup de skins qui ont changé. Même une danse qu'on pouvait débloquer à l'époque. Donc quand je dis à l'époque, c'est vraiment à l'époque. Et moi j'ai débloqué. Où on peut avoir les griffes de Wolverine. Si vous voulez ce que je vous parle. Donc je vous la montrerai après. Maintenant, maintenant les pioches sont disponibles. Mais bon, accompagnées de la danse. La mancheur, et ça sert à rien parce que quand on fait la danse, on a les pioches automatiquement. Je trouve que c'est un peu con ce qu'ils ont fait. Après, pour ceux qui l'ont pas, ça c'est bien. Oula. Mais aussi, il y a plein d'armes qui ont été remises.
Donc, le revolver. Du coup, la main d'arme qui a été remis, il y a eu le revolver qui a été remis, le collier comme arme, je m'en fais plus que c'est comme arme. Sur le mec là-bas. Et là vous voyez déjà en haut à gauche il y a une quête que je commence à faire, une quête de Creed. Donc là vous doutez déjà qui il y a dans ma boutique. Ok, ça va, on va voir ça, c'est la grosse boutique. Donc là je suis au bureau, je suis au niveau des corps et j'ai plus que le monde de rien. Plutôt AR ou revolver pistolet. Dites-moi en commentaire quel des deux vous préférez le plus. Oui, ça voilà. Les bleus vaches qui sont de retour. J'ai envie de faire une mission que ça, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Je sais pas si je prends. Ah, je trouve très bien. Mais ça fait longtemps. Mais bon. Je vais essayer de tout un peu tout vous présenter dans cette vidéo. Je trouve pas le bon. Oui, les arcs qui sont de retour. Voilà, bon ça. Je crois qu'il y a aussi une autre arme, je sais pas faire. Je vais avec le plus tard. Du coup, je vais directement retourner au salon pour vous montrer les skins qui sont là, et qui sont du coup arrivés. Et après, je pense que ce sera une fin de vidéo. Et puis là, franchement, j'ai pas tout idée avec toi. Ok. D'accord. Du coup, en boutique, les skins qui sont de retour. Bah, du coup, cette danse-là, que je vous parlais, celle-là, je l'avais débloquée. Il y avait des quêtes à faire, tout ça. Et maintenant, nous avons les pioches directement. Sauf que si on fait cette danse-là, on a directement les pioches. Du coup, ça sert à rien du coup, de les acheter. Pour moi. Après, bah, du coup, les skins super nouveaux qui sont revenus. Voilà.
une danse, bien sûr. Je suis sûr que les points comme ça, ça pioche, 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 A, K, O. Sac de frappe. Il est quand même bien fait. Et les aperçus du style. Alors, nous l'avons en, du coup, par défaut, en tournoi principal. Du coup, voilà. Après, nous l'avons en grid bionique. Ensuite, sans. Ouais, sans plus derrière quoi. Ok. Après, nous l'avons sans gants. Sauf que les gants sont là. Ah non, en fait, il est comme ça. Et après, il y a des gants aussi au-dessus. Oh putain. Et après. Sans le truc, ni gants. Ouais. Oh, non. Et après, on peut avoir la couleur. Bleu. Ouais, pas comme ça. Comme ça ou comme ça, parce que rouge c'est quand même un peu la préférée. Après il y a eu le skin avec une collab d'un grand streamer. Du coup, lui. Flake Power. Peut-être que ça c'est mieux, je n'en sais rien du tout. J'ai juste entendu parler de ça, c'est tout. Et du coup, voilà le skin. Et aussi de sortie. Après, je crois que c'est tout. Après, il y a le nouveau clip de Fortnite qui est sorti. Donc, ça, c'était déjà prévu depuis très longtemps. Oh, vraiment, vraiment, c'est dommage. Mais c'est quoi? Je vais dire rien du tout. À la fois elle est triste, à la fois elle est mouvante arme à double tranchant. Et après le skin. Voilà. Du coup les amis, c'est une fin de vidéo. On se dit à une prochaine vidéo sur Fortnite, mais la prochaine vidéo sur Fortnite, ce sera soit l'éclatement du vortex, ça vaut pas trop le temps, ou ce sera du coup bah en chapitre 4 saison 2. Du coup les amis, on se dit à plus tard pour une toute nouvelle vidéo. Mais de toute façon, toute nouvelle vidéo mercredi, peut-être sur Roblox ou sur War Thunder, on verra. Allez, à mercredi pour une toute vidéo. Allez, ciao les amis.